Alors, je m'appelle Stéphane, je suis un pur produit franc-comtois. J'ai 38 ans et on est ici à l'étang du Belsaucy, à côté de Belfort, donc au bord de la Presqu'île et de sa fameuse plage. Alors pourquoi ce lieu, pourquoi la plage du Belsaucy? Ben, c'est aussi beaucoup lié aux Eurockéennes. J'habitais le village qui est de l'autre côté de la butte là-bas, hein, au bout de l'étang, et j'habitais une maison assez isolée, et on entendait très bien le son de la Grande Seine notamment, qui résonnait jusqu'à chez nous, donc ça portait déjà pas mal à l'époque. Et du coup c'était un peu un lieu fantasmé quand j'étais gamin. Je voyais mes potes passer chez mes parents, déposer les voitures, faire des voitures communes ou venir chercher des affaires, repartir, etc. Donc c'était un peu l'aventure, et du coup moi de mon jeune âge c'était vraiment quelque chose, un territoire vraiment mystérieux. C'est difficile de s'imaginer qu'ici il y a 30 000 personnes, parce qu'on est Grande Seine. Là il y a la Grande Seine. Et tous les ans, hein, il y a 30 000 personnes. C'est assez fou, hein, ça paraît tout petit comme ça, vide. Et ça paraît gigantesque quand il y a tout ce monde là. Et puis c'est rigolo de voir les gens faire des jogging, passer en vélo, se promener le dimanche ici. 1996, chose très importante, concert très important pour moi. Je faisais déjà de la musique à l'époque, et puis j'aimais bien le rock, metal, etc. Et je suis venu voir Sepultura. Et donc j'ai ce ticket que j'ai gardé parce que ça m'a vraiment marqué. Ce concert était complètement incroyable. Des fous furieux, de la boue, des cheveux dans tous les sens, des sacs à dos qui volaient, des chaussures qui volaient. Enfin, moi j'ai des images de chaos total. C'était la guerre, ce concert complet. J'ai fait de la musique métal, je faisais déjà de la musique, mais là je me suis vraiment lancé dedans à cœur ouvert, et j'en fais encore aujourd'hui. Et vraiment ce concert, il a été très important, il a été déterminant pour moi en tout cas. Je suis devenu batteur double pédale depuis ce jour-là. C'était incroyable ce concert. C'est assez fou de se dire que notre cerveau est capable d'enregistrer la cartographie du lieu quand on se balade ici et que c'est vide. On a même aussi à l'esprit l'ambiance, cet état d'esprit eurockéen, hein, où on est vraiment bien, on est détendu, et puis dans ce cadre un peu complètement incroyable, verdoyant, ce festival il est quand même assez exceptionnel. Sur la géographie des lieux aussi, là on est sur la grande allée des Eurockéennes où on circule entre les scènes, on passe devant les stands. Là ici vous avez pas mal de boutiques où on peut acheter à manger, à boire, le bar franc-comtois, là le côté où on évacue les gens qui vont pas bien, etc. Où il y a la Croix-Rouge, je crois, les sauveteurs. Là vous avez l'entrée de l'accès VIP ici. Vous avez ici ce toboggan, là, ce grand toboggan où on monte, où on descend direction la Grande Seine. Là, cette marée humaine, quand vous la voyez arriver de loin, là, ce fourmillement est assez incroyable. Et puis après, encore différents stands ici, de la bouffe à droite, etc. Je préfère la plage parce que, je sais pas, on y est bien, quoi. C'est des moments où on va, tu te poses là-bas, tu peux aller te prendre une bière, tranquille, tu t'installes, etc. En regardant un concert, et puis aujourd'hui la programmation elle a évolué, tu vois des trucs, il y a pas mal de groupes découvertes je trouve, et voilà, il y a des bonnes surprises, et puis c'est, enfin, la vue depuis la scène de la plage elle est assez incroyable. Il y a tous ces espaces là avec les arbres où c'est assez cosy aussi, tu peux t'installer sous les arbres, te poser avec tes potes, te retrouver un petit peu, te reposer un peu aussi, deux secondes. Oui, j'ai une histoire particulière avec les Eurockéennes parce que un peu moins de 10 ans après le concert de Sepultura auquel j'avais assisté, j'ai joué ici en fait, hein, sur la scène de la plage en 2005. C'était un vendredi à 20h30. Grande aventure, longue aventure. On a fait un Wall of Death. Moi je me souviens très bien de ces gens là qui se rentrent dedans, ces deux masses là qui font comme ça, puis après ça a tourbillonné. C'était assez incroyable, même si c'était un concert assez stressant qui n'a pas été un de. Hein, qui m'a, voilà, c'était pas le concert qui était le plus facile pour moi. Sur cette plage, c'est assez fou. Il y a un chroniqueur qui avait fait un live report du concert et qui avait effectivement dit taf, c'était bien, machin, mais le batteur était bon, mais après Queen of the Stone Age et Mastodon, c'est difficile de rivaliser. Je pense qu'il avait raison.
quand on a connu beaucoup, beaucoup d'éditions pluvieuses avec la boue, etc. Je pense que c'est passé le festival où il pleut. Hein. Mais particulièrement aux The Rock, il y a une vraie logistique à adopter et tout un matériel à avoir sur soi. Alors c'est assez. Je pense que l'expérience fait le festivalier européen. Tout un temps, on emmenait des sacs poubelles qu'on perçait avec sa tête, machin, hop, donc ça t'était au moins à l'abri. Tu pouvais le poser par terre pour te reposer 2 minutes, etc. Mais je sais pas, ça a son charme, quoi. La boue aux Eurocaines, c'est pas une source de contrainte, je dirais. Ça fait une aventure, c'est une aventure. Après, le timing était extrêmement serré, etc. Donc du coup, on a pris les choses très à cœur, on était très sérieux. Les seules stars que j'ai croisées, je crois, c'est j'ai mangé, je faisais la queue au backstage avec mon plateau et puis mon assiette entre les mecs de Nine Inch Nails. Donc il y avait deux grands types comme ça là, je me suis dit tiens c'est quoi ces grands mecs habillés en noir, puis ah ouais mais c'est les gars de Nine Inch Nails. Mais sinon non j'ai pas croisé, je pense pas. Parce qu'en plus le lendemain on jouait dans un autre festival en Belgique, donc en fait on s'est tapé la route en direct derrière quasi après le concert. On y vient pique-niquer, on y vient faire un tour comme ça, on y vient se promener, on y passe en VTT. Là, des fois, on s'envoie des SMS avec des potes et puis on dit tiens, on se fait un apéro au Malsaucy, bam, là, viens, t'emmènes tes affaires, tu te mets sur la plage ou alors à côté. Et puis tu t'emmènes 3 chips, 2 bières et c'est parti, quoi. Tu te fais un apéro ici sympa, donc c'est un lieu. C'est un lieu plutôt joli, puis agréable, puis fait avec le soleil, etc. On peut y passer rapidement beaucoup de temps et finir à la nuit tombée. J'emmène des gens ici, au-delà de mes potes. Par exemple, en début d'année, traditionnellement, avec mon boulot, on emmène les étudiants. On emmène les étudiants ici au faire des activités en face, là, à la base nautique. Il y a plein de choses à y faire. Ils font de la voile, du VTT, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses à y faire ici. Puis, bon voilà, les gens viennent passer du temps en famille, ils viennent pique-niquer le dimanche, c'est blindé de monde. L'été, on peut y venir voir du cinéma en plein air. Avec sa petite couverture assis sur la plage, c'est très sympa. Il y a beaucoup de choses à faire ici au Malsaucy, au-delà de se baigner et puis de faire des activités sportives. Donc pour moi, la Franche-Comté, c'est une pépite de nature et de culture. C'est le chapiteau 2. Quand il y avait encore le chapiteau, concert d'Incubus. On se pointe, c'était le vendredi, concert 16h, je crois. Le concert commence, troisième morceau, une vague, elle part. Mon pied est dans un trou, rac, hop, cheville, hop, j'ai fait tout le festival. Comme ça. C'est bon, on est bon.